Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Stellaris avec la naissance de l'Empire Sendarien. Épisode précédent, nous avons fait bouger cette flotte, principalement. Nous avons intégré ceux-ci et nous avons géré leur intégration. Nous sommes enfin de faire disparaître leur planète, parce que bon, hein, voilà. Les criminels, ça va 2 secondes. La disparition de leur espèce va pas mal aider. Hein. Après, je vais peut-être pas la faire disparaître totalement. Il faudra que je fasse attention. Et que une fois qu'ils sont assez peu nombreux, hop, je les fasse remonter. C'est une possibilité. Pourquoi? Parce que bon, ce serait dommage de faire disparaître. Quoique, c'est des esclaves, donc... Non, je vais apprendre. C'est des esclaves, donc dans un sens, ça peut être pratique d'en avoir. Ah, voilà, un laser à particules. Pour un nouveau cuirassé, ça c'est bien. Ah, puis ici, on est en train d'améliorer nos cuirassés. Après, direction assassin. Ah, assassin de la police. Hop. Ici. Ouais. Franchement, je crois en leur destruction. Je crois en la souffrance, mais je crois en leur destruction. Si on regarde, ça on peut pas voir, c'est dommage, mais regardez la puissance de feu qu'il a. Sans oublier qu'il y a eux. Non, c'est pas eux, c'était lesquels alors? Il y a une de leurs flottes que j'ai envoyée chez eux, ici. Parce que je suis rival. J'accepte, oui. 2 secondes, est-ce que tu as... Non, tu veux pas faire de raid. Ah si, ben voilà, nickel. Voilà, tu paies et tu vas raider ton voisin. Nouvelle recherche, on va partir sur... Sur... Allez, ça c'est pas ouf, mais c'est pas le... C'est... Il y en a aucun qui est hyper intéressant, donc... Tu n'as rien à faire? Viens ici, là il y a... Ah non, ils ont vraiment tout pris, quoi. Hop. Pourquoi j'ai... Est-ce que ce serait pas les vaisseaux de mes vassaux qui viendraient comme ça? Ok, là je peux rien faire. Par contre, je peux venir reconnaissance dans celui-ci. Ça, parce que j'ai des vaisseaux partout, mais très bien. Ça, on va pas l'envoyer ici tout de suite. On va attendre. Ici, 71%. On appuie sur play. Il va peut-être pouvoir, vu qu'on continue, hein. Là, il y a déjà les deux. Nous avons appris que votre empire était en possession d'un cache de données contenant le scan cervical et les données génétiques d'une espèce aujourd'hui éteinte trouvée sur le monde même où elle résidait autrefois. Même si votre espèce est trop primitive encore pour en faire usage, nous louons vos efforts pour préserver ce dernier vestige de ce qui fut autrefois une civilisation dynamique. Dans le cadre de notre projet de catalogage et de conservation des espèces au sein de la réserve des espèces menacées, nous souhaitons prendre ces données et utiliser nos technologies de clonage pour ramener un échantillon limité de cette espèce. Oui. Fait. Ah, de Virgile, no Béatrice. Alors, j'ai pas la référence. Mais tant mieux. J'ai pas la ref, malheureusement, donc... 84%. La vote est passée. Nickel. Résolution en attente. Poids diplomatique, boum. Et là, je peux plus faire de mesures d'urgence avant un certain temps. Ah. Mais les autres le peuvent. Je suis contre. Ok. Sanctions économiques limitées. Oui, non, moi je suis contre. Revendication de la part de qui? All Clark Commonwealth. C'est lesquels? Non, c'est pas eux. Commonwealth of Ildar. Je vois pas qui sont les Oclars en fait.
On va faire comme ça. Ici. MN. Oh, Oklar. Donc ça, c'est celui qui est pote avec moi, c'est ça? Non. C'est pas ça. C'est lui? Toi, tu fais des revendications sur moi. Tu es déloyal. C'est vrai. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est triste parce qu'en fait, à cause de toi, je vais anéantir ton espèce. Enfin, c'est décidé. Je vais prendre ton espèce et elle va disparaître. Hop. Et quand je vais t'intégrer, ton... Ah, t'as combien de planètes? Tu as quand même beaucoup de planètes, tu vas pas disparaître, mais... J'ai encore... Ah, nice! On est enfin en positif. Pas pour longtemps. Parce que là, l'espèce, je vais dire... définir les droits. Non, je vais te mettre en citoyenneté. Ah, je peux plus te mettre en esclave. Pas avant... Oh, bah c'est RIP alors. RIP, sauf si j'intègre eux, c'est ça? Si je les intègre eux... Si je les intègre eux, normalement, il y en aura plus, donc ça devrait aider. Ok, bah on va détruire des caravaniers, hein, dès qu'on les a sous la main. Si ça se passe comment? Bah oui, bien évidemment, ils sont pour... Nouvelle recherche, on va partir sur... sur... L'amélioration des bases. Là, il faudra du temps. T'en as combien? 29%. Mais on est enfin... là aussi, c'est un peu... tout est cool, sauf ça. Mais on n'a pas la tech pour en produire, je pense. Alors ici, ça, ça me donne un emplacement de construction par monde. Et tous les mondes ont de quoi construire, sauf ma capitale. Alors ici, de quoi a-t-on besoin? Sur cette planète, par exemple... Service, ça va. Ben, je vais faire un centre de recherche, un peu de science. Il n'y en a pas de produite? Moi, ouais, non, je vais pas faire de la science. Je vais venir construire plutôt. Dans les particules, on a 7, on en a 5. Des cristaux rares encore. Ouais. Ici, dans ce monde, là, on a de la science. On va venir construire plus de science. Une génie clinique, non, hein, ça trans... Ouais, vitesse de développement de population, on s'en moque. Un laboratoire en plus. Ici. Ici, on va venir construire ceci. Là. Là, une planète très peu développée. Hein. Venir y construire... un campement de l'effroi, tiens. Et on va construire ceci. Ceci... Un de chaque, ainsi il y aura du travail. En particularité, on peut tout bouger. Alors ici, on va améliorer ceci, déjà. Tu produis pas de science, donc on va pas te rajouter de la science à produire. On va former des esclaves. Hop, ici. Là, on peut pas, voilà. On produit pas de science. On va faire un institut de recherche pour produire de la science. Très bien. On peut le, à chaque fois qu'on peut un institut de recherche, on le fait passer. Ici, on en produit, donc on va rajouter, parce que l'institut de recherche va jouer sur, déjà, il y a la production brute, mais en plus sur le travail des chercheurs. Donc on va construire un labo. Ouais, un labo. Un labo, et on va faire ceci. Ainsi, on pourra en construire un. Et pour finir ici, là, on va te construire. Tu fais de la bouffe, on pourrait te faire un truc, ou alors, bah, réseau énergétique. Ça sera très bien, voilà. Ça se passe comment ici?
47%, allez, on s'en rapproche. Juste pour voir. Ici, après on prendra celui-là, bien évidemment. Et une fois, prospection planétaire, ouais. Plus un atout de l'ascension, bien évidemment. Mais ça, j'ai toujours pas ce que je veux. Moi, ce que je veux maintenant, c'est le titan, c'est le projet Colosse, c'est ça. Projet Colosse, mais pour ça, il faut les titans, et pour avoir les titans, bref. Comprenez le principe, hein. Non, ça on l'a pas encore. Il faut attendre ceci. Une fois qu'on aura débloqué ça, on pourra construire un nouveau cuirassé. Et c'est pas de la nuenote, hein, comme cuirassé. C'est vraiment pouf. Est-ce que ça... Non, c'est pas pour lancer autre chose. On va garder ça. Ici, 420 jours, ouais. 79%, on y est presque. J'espère que qu'on vous emmerde bien. Alors, ici. Ouais, mais il va disparaître. Ouais, c'est ça, le temps que j'arrive, il disparaît. Non, hop. Chose, il est disparu. 99. Et... Allez. Nickel. À l'attaque. Vous n'allez pas aller très loin. L'objectif, c'est juste d'arriver dans le système pour attirer leur vaisseau, pour commencer. Et puis seulement attaquer tout. Ah, ils ont pas d'opinion pour moi. Très bien. C'est dommage, hein, j'aurais aimé avoir l'opinion, savoir quelle opinion ils ont de moi. Hop, attention. On va voir le truc chargé. Apparition. Pouf! Et on est déjà en bataille. Alors, ça se passe comment? Ça a l'air de se passer excellemment bien pour nous. Ouais, hein, on prend des dégâts hein, quand même. Ouais. Donc on va faire ça et puis on reviendra en arrière, puis on avancera, puis ouais, ça va être très marrant, mais... L'important, c'est qu'on détruise leur flotte, dans un premier temps. Parce que l'autre, on n'aura peut-être pas l'occasion, donc il va se réveiller. Mais un truc qui se réveille... Vous voyez les Mongols dans le monde réel? Eh ben c'est ça, c'est des Mongols. Ils vont se réveiller, ils vont avoir un Khan, vraiment c'est un Khan, et avec des armées de fous, et ils rushent sur tout. Ils roulent sur tout ce qu'il y a autour. Et ça là, tu veux pas le détruire plus vite? Vraiment, détruisez-le quoi. Hop, et maintenant ça, tu peux. Ça, c'est leur base. Très bien. Ok, et maintenant vous allez vous soigner. Pendant que toi, tu viens. Projet de recherche dans le système. Construire une... Voilà. Et eux, j'ai l'impression qu'ils sont aussi au taquet. Hein. Hop, est-ce qu'on peut demander? C'est amélioration. Et voilà, on va recruter. Ah, bah, j'ai pas eu le temps, mais je l'ai vu. Espèce, tac, ils sont plus que 11, hein, je peux pas. Juste traitement, ça fait quoi? Là, on est à 0,2. Il faut regarder ce qui fait moins de 0,2. Stérilisation. Ouais.
Ainsi, ça va ralentir encore leur disparition. Ouh, ça va pas être drôle non plus. On n'ira pas là, mais on fera la recherche dans tout le reste. Hein. Alors, ça se passe comment ici? Ça se soigne ou ça se soigne pas? Ça se soigne, hein, ouais. Chantier, oui, il y a tout qui est en construction. Ah, on a, oui, mais ça varie et je ne sais absolument pas pourquoi ça varie. Mais peut-être qu'un jour on le saura et ce sera une très bonne chose. 6 mois les armées xénomorphes. C'est réparé, maintenant il faut attendre d'avoir les renforts. Il manque un renfort ici et un renfort là, bah, très bien. Combien de temps? Ouais, 1000 jours, donc je pourrais aller faire les deux autres sans réel souci. Là par contre je me sens pas chaud de me battre contre une matriarche. Alors, on... Tissu de coque régénératif et des points de recherche. D'accord, pas ouf. Non, moi, ce que je veux voir, c'est eux. C'est bon? Non, c'est pas encore bon. C'est presque bon. Et ben voilà, on a sécurisé le système. Niveau 6, ça évolue lentement, c'est bien. Ici, ça a été fait, c'est lequel? Ah oui, c'est celle qui est là-bas, donc on va construire. Ça c'est quoi? Ouais. Un ancrage, ça peut être bien. Et un autre carrefour commercial. Et ici, compagnie. Voilà. Hop, on va sur celui-ci. Ouais, c'est exactement la même chose qu'on a faite. C'est dommage, hein, on était repassé dans le vert. Hein. Est-ce qu'on les a pas encore intégrés ceux-ci, hein, c'est ça le pire. Ici, on peut venir construire. Ça fait quoi une zone commerciale? Des services. Ouais. Bah non, l'institut de recherche. Ok. Alors, nouvelle recherche. Ouais. Partir sur ça, la terraformation. Toujours du tissu de coque régénératif, donc on va partir là-dessus. Pour ça que je le cherche pas tout de suite. Avec les points que j'ai accumulés contre eux, pas besoin. Un monde Gaïa. C'est que vous concentrez sur ça d'abord. Vous visez rien d'autre. Il faut que vous détruisiez celle-ci. Et ensuite celle-ci. C'est moi qui reçois, c'est ça? Hop, choisissez votre cible. Une cible à la fois. Une fois que c'est une cible à la fois, après, il n'y a plus de soucis. Hein. Regardez le... Tous les petits points, là, c'est que des corvettes. D'accord, c'est très joli. Et puis, il y a aussi des vaisseaux. Je pense qu'il y a une partie qui doit être des petits vaisseaux. Ou alors, on les voit pas.
Ouais, non, le plus petit qu'on voit, c'est les corvettes avec les traces. Viser là-dessus. Piou piou. Et libération du système. Une fois que t'auras fini, aussi ici. Toi, une fois que t'auras fini, on verra. Et toi, tu vas revenir ici. Et on va te reconstruire ce que t'as perdu. Encore plus de tissu de cœur régénéré. On va finir par l'avoir, hein, je vous assure. L'avoir sans l'avoir recherché. Et vu que j'utilise jamais ça. Une, deux, trois, quatre planètes. Ils sont plus que cinq. Je peux pas encore. Bah tant pis. Hein. On va les faire disparaître hein, de toute façon. Définir les droits. Est-ce qu'on peut rechanger la méthode? Non, je peux pas changer avant 2330. Exécrable. Ça veut dire. Ok, très bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de venir ici. Ah non, c'est bien ça. Il y a bien quelque chose de style. Et si je te mets en pafouillant? On va voir. Il faut que j'aille voir. Un vaisseau de construction disparu, pas grave. Et alors, ça se passe comment, toi? Est-ce que t'as apprécié ta la visite? Ce que je vais faire, c'est que je vais t'insulter. Hop, au revoir. Toi, t'as aucun ordre, ben. Hop, une fois que ce sera fait, tu viendras reconnaître les terrains ici. Juste pour voir ici, est-ce que tu as des alliés? Non. Donc, probablement pas dans cet épisode, mais dans les prochains épisodes, on assistera à sa destruction. Ah bien, batterie cinétique, canon éventreur, on a plein de choses ici. Ça se soigne, je suppose. Oui, bien évidemment. Bien. Alors, avant. On va passer en missile essaim. Non, on va. Allez, point de coque des destroyers, ce sera très bien. Ici, je peux construire quelque chose. C'est exactement ce que je voulais faire. Tac. Et donc ensuite. On va améliorer. Et je n'en ai plus. Ok, bon bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici en vendre 10 000. Ici en vendre 10 000. Hop. C'est déjà en cours. Ça part très vite, hein. Ici, c'est lequel? C'est Céléa. Céléa, j'ai dit que j'allais faire. On va faire de full chantier. Et ensuite, l'autre, on va te mettre une enregistreur d'hyperling. Voilà. Alors, que puis-je vendre encore? Des cristaux, je peux en vendre 500. Ouais. Si je peux en vendre 1000, ok, et donc là je peux en racheter. Voilà, toutes les stations sont en mode amélioration. Très bien. Ah, donc c'était celui qui était ici, c'est ça? Au final, il y a bien quelque chose. Sauf qu'il est plus marqué. Ok, donc la réparation est faite. Les vaisseaux, bah, il faut attendre. Très bien. Maintenant, il manque rien. Il manque rien. Ok.
Vous allez venir ici. Vraiment à l'entrée. Et ensuite, on improvisera les attaques. Ça, c'est quoi? C'est un vaisseau ou... Non, c'est un avant-poste. C'est une connerie comme ça. Ça, c'est une sorte de station. Ouais. C'est leur capitale, hein, ça. Donc, c'est là où ça va piquer le plus. Au pire, on fera des retraites. C'est pas grave. Bien, on aura bientôt ça. Ça, ça va être magique. Nouveau cuirassé dans la flotte. D'abord, arrêtez-vous ici. Il faut que vous partiez en même temps. S'il y en a un qui a une avance sur l'autre, ça va pas le faire. Vraiment, vous restez là où vous apparaissez, en gros. 4, 3, 2, 1... Feu là-dessus. Feu sur lui. D'abord lui pour le faire tomber, un galion. Et après, après ça ira. Il en reste encore des... Ouais, il reste des flottes ici. Détruisez-le, mais surtout, venez détruire ce galion. Là, lui, qu'est-ce que vous faites? Ah, ils vont attaquer la base, bien évidemment. Très con, mais bon, si ça passe. Nouvelle recherche, on va partir sur le coup des revendications, si on venait à le faire. Vous vous éparpillez, c'est pas bien. Là, c'est la mort, hein. Vu votre position, moi je dis c'est la mort. Très heureusement, on est tellement plus puissant que... Ça va? Mais quand même. C'est très stupide ce que vous faites. Allez, faites sur lui. Nouvelle recherche. Ah ben non, pas besoin. Très bien. Faites tomber ce galion. Un souci en moins. Faites tomber l'armée ennemie d'ici. C'est quoi ça? Dans deux secondes. Donc ça, c'est qu'on a fini de les intégrer, c'est ça? C'est ça. Alors ici, toi. Destruction. Toi, tu peux venir si tu veux. Si on... Oui, non. Là, on va gérer après. Là, c'est quoi? On va rétrograder. Hop, et on fait disparaître. Rétrograder, disparaître. Rétrograder. Hop. Okay. Ensuite, sur les planètes. Orim, je pense. Orim. Population. Full Oclar. Donc on va réimplanter... On va faire un sandar, allez hop, un sandar bureaucrate, et un néobaol, ouais, un kyrillian, voilà, un autre sandar, c'est possible, voilà.
Ah, mais empire, pas besoin de réfléchir. C'est dans celui-ci. Population. Donc là, c'est full. Ok, réimplanté. Le Sandar de Kyrillian. Ici, population. Réimplanté. On va pas toujours prendre de la même planète. De Kyrillian. De Sandar. Ici, tu m'étonnes. Ici, donc là, c'est bon. Là, réimplanté. Ici. Un Sandar et un Ildar. Un autre Sandar. Et on va venir chercher. Un Kyrillian. Voilà. Et normalement, ici, c'est bon. Ensuite, en aperçu. Bah, la chambre de l'effroi pour commencer. C'est très très bien. Et. Industrie civile. Ensuite, ici. Chambre de l'effroi. Industrie civile. Une zone commerciale. Et un temple. Ici. Puits d'extraction, ça va être très bien. Chambre d'élévation. Et ensuite, industrie civile et un laboratoire. Et ici, ce qu'on va faire, c'est la chambre d'élévation. Pas d'industrie civile sur cette... Si, industrie civile. Et ensuite, je vais mettre deux bureaux administratifs. Alors, ça se passe comment ici? Très mal, hein? Ouais. Faites feu sur ça. Ensuite, venez faire feu ici. Et ensuite, feu ici. Bon, là, on a explosé en même temps. On a beaucoup de populations qui sont arrivées. Si on regarde dans espèces, ils sont remontés à 50. Hein, donc, plus une grosse zone, mais on va réussir. Non, venez là. Non, bah ok, détruisez ce que vous voulez, alors. Ils veulent vraiment détruire les habitations. Ça, c'est un truc qui manque. Qu'on puisse mieux gérer les batailles spatiales. Parce que là, ils font n'importe quoi. Ils vont de gauche à droite. Ce serait bien qu'on puisse dire... Pour la bataille, vous prenez tel point, et qu'on leur dise ce qu'ils doivent prendre. Après, ça va, la bataille, elle commence. La tendance commence à s'inverser, donc ça... La traduction, c'est on est en train de gagner. C'est simple. Simple mais efficace. Hop. Voilà, la bataille gagnée, ils ont plus de flotte. Ah, cargo caravanier. On va acheter quelques jetons. On va acheter 8000 jetons, ouais. On a plus grand chose. Et autre chose, on va jouer aux machines à sous. On va ouvrir un reliquaire. Acheter un reliquaire. On a pas assez. Hop. C'était eux. On peut faire ça, hein. Ici, vendre. 5000. 5000, hop. Acheter des jetons. Combien j'en ai actuellement? J'en ai 8000. Autre chose, on va pouvoir ouvrir un reliquaire.
Il est vide. Super. Je vais jouer aux machines à sous, tirer... Ah, j'ai pas assez. Acheter des jetons. On va en racheter 8000. On retente... Non, on peut pas. Jouer aux machines à sous, tirer sur le levier. Ah, c'est l'arnaque, hein, c'est l'arnaque du... Ah, yes, j'ai gagné 500 jetons pour en avoir mis 6000. Fin de transmission. Je vais vous détruire après. Nous avons décidé que vous auriez un don généreux. Ben, merci. Bah oui, tu prends mon cadeau ou je te déteste. C'est bon, j'ai fait mon choix, je prends ton cadeau. C'est eux, hein, et je m'entends super bien avec eux, c'est ça. Ils sont condescendants, mais ça continue de s'améliorer. Donc, très bien. Alors, toi, tu vas me détruire lui. Et toi, tu vas être efficace, tu vas venir détruire lui, s'il te plaît. Mais bon, ils vont pas écouter, mais lui écoute, c'est très bien. Mais l'autre est motivé. Ah, mais oui, il y a encore une station. Il y a encore des gens qui habitent, t'imagines? On a même perdu un cuirassé ici. Ouch, ça pique. Ouh, on va finir l'épisode après le nettoyage du système, hein, bien évidemment. Nice. Alors, maintenant, vous allez tous les deux vous faire soigner. Deux secondes, tac. J'accepte, et voilà. Un danger imminent en moi. Hop, et lui, on va lui donner plein de travail. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.